connecté, connecté, loté, loté. D'habitude de vous savoir avec moi. Approchez, approchez, connectez, connectez, loguez, loguez, on attend tout le monde. Écoutez-moi, je vais moi-même me connecter à moi-même sur mon ordinateur ici. Alors, est-ce qu'on a des gens? Oui, nous sommes apparemment déjà à 53 personnes en direct. Alors, allez-y, si vous êtes là, dites-moi un petit coucou. Moi, je peux vous lire et savoir qui est avec moi. Salam alaikum, Sidi Youssef. Ça, c'est mon professeur d'arabe. Mashallah, merhababik. Hein? Salam alaikum, Ramadan Karim de Leila de la part Adam et Leila à Toronto. Oui, mais oui, c'est le Ramadan qui commence demain. Pour tous ceux qui le fêtent et pour tous ceux qui ne le fêtent pas, que ce soit un mois merveilleux, un mois béni, qui nous fasse sortir de la crise et qui nous fasse rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, bon Ramadan. Bonjour de Saad et Yasmine. Allô? Allô? Salam Lila, 5 ans de Saint-Hippolyte. Bienvenue. Salam alaikum de Emna et Issa d'Ottawa. Marhababikoum. Bonjour Hafsa. Bonjour de Saad et Yasmine. C'est magnifique. Hey, le monde, vous êtes là. Vous êtes là. Vous, restez, vous êtes fidèles. C'est un bonheur de vous savoir avec moi. Je dois dire, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un, hein? En plus, quand la maman m'écrit pour me dire c'est l'anniversaire, là, pour moi, je suis choyé de pouvoir lui chanter en direct. Alors, on parle ici de Raphaël, qui a 2 ans. Raphaël, qui a 2 ans, j'ai vu la vidéo où elle tapait puis elle dansait. Est-ce qu'on chante un joyeux anniversaire, un bonne fête à Raphaël? Bonne fête! Alors, je salue toute la famille et n'hésitez pas s'il y a d'autres anniversaires, hein, que c'est vraiment votre jour d'anniversaire, allez-y. Alors, je dis bonjour à Chad et Mathéo. Merci, Abdel Wahab, mon contact marocain que j'ai jamais rencontré encore. Anne-Sophie et Justine, bonjour Anne-Sophie et Justine. Hafsa qui me dit coco. Diego, bonjour Diego, 5 ans de Montréal, bienvenue. Bonjour Albert, hein, bonjour Nadine. On s'est commandé un djembé. Waouh, les gens commencent à commander des djembés. Ça, c'est bonne nouvelle pour le Québec. Un petit coucou de Rimouski. Bonjour Isabelle Bernier de Rimouski. Jean-Philippe, bonjour Jean-Philippe. Arnaud, 3 ans et Raphaël, 20 mois. Bienvenue, bienvenue à tous. Hey, c'est le fun. C'est le fun, il y a du monde. Alors, vous savez quoi? Hey, il y a beaucoup de monde qui ont participé au concours, là. Il y a plus de monde que la dernière fois. En fait, on est déjà rendu à 17 vidéos. Puis, j'ai vu des choses extraordinaires. Hein? Il y a même des gens qui commencent à faire des montages et des vidéoclips. Vous imaginez? Fait que c'est merveilleux. Puis en fait, je veux vous dire que je prolonge la participation au concours jusqu'à samedi. OK? Ça vous donne 2 jours de plus. Ceux qui n'ont pas eu le temps, le principe du concours, c'est ma vidéo Corona Corona. Hein? J'ai fait un petit vidéoclip. Vous la prenez, puis vous chantez, vous dansez. C'est surtout pour bouger, pour se laisser aller. Et voilà, vous pouvez m'envoyer les vidéos. On est rendu à 17 participants. Samedi, on va tirer les gagnants. Et bienvenue à tous. Vous pouvez tous encore participer. Donc, restez avec moi toute la semaine. Puis, comme je dis à chaque fois, le prix, c'est soit un CD
ou un DVD, hein, en français ou en anglais. Il y en a trois ici. Alors, on va en tirer trois samedi. Mesdames et messieurs, on a joué beaucoup la semaine dernière de la derbouka, mais je veux revenir à cet instrument qui s'appelle le djembé. Djembé. On va rejouer du djembé aujourd'hui, et puis vous jouez sur ce que vous voulez, un djembé ou bien un autre instrument. Ça vient d'où le djembé? Qui peut me nommer un pays où on joue le djembé? Moi, je vais vous lire. Alors, on a parlé beaucoup du Moyen-Orient et du Maghreb la dernière fois. Là, j'aimerais savoir, ça vient de quel pays? Pendant ce temps-là, je vous dis bonjour à Marc-Olivier et Logan. Bienvenue. Hein? Bonjour à Nolan. De Tassadit, bonjour. Hein? Bonjour de Grace et Julia. Bonjour, Grace et Julia. Lucilia et Alicia, bien sûr. Fidèle. Hein? Victoria de Repentigny, bonjour. Bonjour Anaïs, bonjour Maëlo, bonjour Justine et Flavie. Hey, c'est magnifique, vous avez plein de beaux noms. Nadim et Camélia, bienvenue. Bonjour Lissou en Algérie. Magnifique décor, merci. Oui, vous avez vu, hein? On a rajouté. Puis, c'est pas la même caméra. Vous me direz si vous trouvez que l'image est meilleure. OK? Hey, bonjour Rebecca, bienvenue. Alors Manuela, bonne fête Raphaël, c'est très gentil. Alors, je repose ma question, parce que là, il y a des bonjours, il y en a beaucoup. Bravo, OK. Sénégal. Sénégal. Ça sent bien, dans quelques lives, on va faire ça. Mali. Exactement, Sénégal, Mali. Alors, Algérie ou Brésil? Non. On joue des instruments qui ressemblent au djembé. Mais le djembé, ça vient d'Afrique de l'Ouest. Alors ça, c'est un bon indice. J'ai dit bonjour à Leïla Lebar, qui est au Maroc, parce que dans deux semaines, je vais faire un live. Elle est faite de la musique au Maroc pour les enfants, Crescendo Music. Et elle m'invite pour un live au Maroc. Bien sûr, je vais être ici. Alors, merci Leïla, merci d'être là. C'est très gentil. Alors, Maë dit Maroc. Au Maroc, on ne joue pas le djembé. C'est-à-dire, le djembé, ça ne vient pas du Maroc. Ça vient d'autres pays un peu plus au sud du Maroc. Alors, on a dit Sénégal, on a dit Mali. J'en veux au moins un autre. Afrique de l'Ouest. Regardez sur une carte. Demandez à vos parents, demandez à vos parents. Alors, on dit ici, Zim Zim Zimbabwe. Ça s'en vient. On va le faire, ça. On va le faire dans quelques jours. Burkina Faso, bravo. Donc, Mali, Sénégal, Burkina Faso. On peut rajouter Côte d'Ivoire. Et on peut rajouter Guinée. Et on peut rajouter Togo. Peut-être quelques autres, peut-être le Bénin, je suis pas sûr, mais voilà. Hein, c'est bien de savoir ça vient de quel pays. Alors puis on va vraiment se pencher bientôt sur tous les pays africains dans quelques lives. Alors tout le monde, Cameroun, je pense que oui, bravo Cameroun, oui Togo, bravo. c'est ça. Il y en a qui connaissent ma chanson Le rap de l'Afrique, mais on peut pas dire tous les pays là. C'est vraiment ceux qui sont à l'ouest. Alors mesdames et messieurs. Sortez vos djembés! Mon djembé, il est juste ici. Parce qu'on va repratiquer un peu le djembé pour faire aujourd'hui une chanson spéciale. Alors, tout le monde a son instrument. Hein? Si vous êtes assis, on incline le djembé et on le coince entre les jambes pour que l'air sorte. Si vous avez une casserole, on est prêt. Un livre, une table, n'importe quoi que vos parents ont dit oui, n'est-ce pas? Alors. On va jouer le poum au milieu. Poum, 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 poum. Mais on alterne les mains. Allez-y avec moi. Poum, 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 poum. Hein? Gauche, droite, gauche, droite. Maintenant on fait poum, 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 poum. Francis, samedi. Poum, poum, poum. Et dans poum, 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 poum. 5 coups. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez, quand on frappe, il ne faut pas coller. Il ne faut pas que faire. Il faut rebondir. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Les mains dans les airs. Vous voyez, mes pouces sont sortis, n'est-ce pas? On met les deux mains sur le côté. Et regardez mes pouces là, ils sont dans les airs. Vous voyez bien mes pouces ici?
Parce que sinon, si on tape les pouces, ça fait mal. On veut que les pouces soient sortis pour pas se faire mal aux pouces. Et là, on va jouer le son qui s'appelle Pi. Donc, on joue Pi. 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 On alterne. Pi. 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 Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Pi. 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 Et plus vite. Pi. Pi. On met une main au milieu, une main sur le côté, et on va faire deux Pi et deux Poum. Pi. Pi. Continuez. Un, deux, un, côté, milieu, côté, milieu, côté, milieu. Maintenant trois coups. Je vous montre un rythme simple. On va faire pom pom clac 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 pom tsk pom tsk clac 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 pom tsk pom tsk clac 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 tsk pom tsk pom tsk. Allez-y. Pom pom clac 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 pom pom clac 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 pom pom clac clac clac. Et on va y aller avec la musique. On y va. Pom 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 clac 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 pom pom clac 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 pom pom clac clac clac. Comment on fait pour commencer tous ensemble et finir tous ensemble. Il y a quelque chose qui s'appelle l'appel. Hein? Je peux jouer l'appel et vous savez quand commencer et vous savez quand finir.
Ça, c'est un secret pour les joueurs de djembé. Qui veut apprendre le secret? Qui veut? Oui. Toi? Toi aussi? Très bien. Qui va être là demain pour apprendre le secret? Très bien. Ça veut dire que je vais vous le montrer demain. Et là, j'ai une surprise. Hein? Pour ceux qui connaissent mon album, j'ai une musique, je pense, qui a fait danser beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas moi qui l'a composée, mais j'ai fait à ma version africaine. Alors, on va la jouer ensemble aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a son djembé? Est-ce que tout le monde est prêt? Sa casserole, son livre. C'est bon? Qui reconnaît cette chanson? On prend son instrument, on le dépose un peu, hein? Parce que peut-être que ça fait du bien aux oreilles aussi, n'est-ce pas? Alors, voyons qu'est-ce qui se passe. Bonjour Léo et Maud. Exact. Ok, il y a quelqu'un qui a écrit « I like to move it ». Hafsa, c'est bon, mais c'est « I like ». Parce que « I like », c'est « je liche », hein? Ok? C'est bon, on apprend l'anglais. Tu diras ça à maman. Oh yeah! Hey, y a beaucoup de monde qui étaient là. Merci! Salam alaikum Mehdi! Bienvenue! 13 mois! Kim, bonjour! Tu dis un beau bonjour à Samuel qui a 13 mois. Magnifique, magnifique! Alors, n'oubliez pas, le concours n'est pas terminé. Vous pouvez m'envoyer des vidéos. Puis on va faire le tirage samedi. Et là, puisque c'est la troisième semaine de mes lives, je veux vous montrer le troisième couplet. Il y a encore des nouvelles paroles. Alors, qui est prêt à apprendre des nouvelles paroles? Bravo! Qui est prêt à apprendre des nouveaux mouvements? Très bien! Alors, on y va. On va commencer lentement. Parce que quand on apprend, il faut commencer lentement. Alors,
Corona, Corona, on apprend à cuisiner. Corona, Corona, tes cheveux toi-même tu vas les couper. Corona, Corona, on fait l'école à la maison. Corona, Corona, et on chante cette chanson. Tu veux la refaire? Tout le monde est, il faut être debout. Ça va mieux debout. Alors, le premier mouvement là, c'est ça. Quand on cuisine, hein, on brasse la soupe. Hein, tu peux une petite soupe, une grosse soupe, comme vous voulez. Hein? Ok. Deuxième mouvement, quand on coupe les cheveux, ça c'est les ciseaux. Mais quand on dit tes cheveux, toi-même, tu vas les couper, là, c'est les parents qui vont vous les couper. Hein? C'est juste que c'est pas le coiffeur. Hein? Moi, là, vous n'allez pas prendre des ciseaux, vous couper les cheveux vous-même, n'est-ce pas? Alors, tes cheveux, toi-même, tu vas les couper. Troisième, c'est on fait l'école à la maison. Donc, ça, c'est un papier, ça, c'est un crayon. On fait l'école à la maison. Corona, Corona. Et on chante cette chanson. Puis, j'ai un nouvel instrument à vous présenter. Que je vais sortir, il est juste là, vous ne le voyez pas. Moi, je le vois. Il a hâte de vous voir. Est-ce que tu as hâte d'aller voir? Il a très hâte de vous voir, mon nouvel instrument, qu'il est, il est juste là. Mais avant, on refait les paroles. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Magnifique. Corona, Corona, on apprend à cuisiner. Corona, Corona, tes cheveux toi-même, tu vas les couper. Corona, Corona, on fait l'école à la maison. Corona, Corona, et on chante cette chanson. Encore une fois, encore une fois. Corona, Corona, on apprend à cuisiner. Corona, Corona, tes cheveux toi-même, tu vas les couper. Corona, Corona, on fait l'école à la maison. Corona, Corona, et on chante cette chanson. Et mon nouvel instrument va me permettre de chanter cette chanson. Qui veut voir mon nouvel instrument? Vous savez, hein, comme dans mes spectacles, quand je présente un nouvel instrument, tout le monde ensemble, qu'est-ce qu'on dit? On dit 3, 2... Attends, plus fort, j'ai pas entendu. Tout le monde ensemble. 3, 2, 1... Regardez-moi cette beauté, hein? Ben oui, c'est pas un tam-tam. C'est pas un tam-tam, mais puisque j'ai joué un peu de piano, je peux jouer de cet instrument. Comment ça s'appelle? Hein? Écrivez-moi. Écrivez-moi comment ça s'appelle. Les enfants, demandez à vos parents, et peut-être que vous le savez. Hein? Bonjour, Raja. Merhaba, merhaba. Alors, hein? Raja qui a cuisiné Zammaita, Lyon. Oh, moi, je vais goûter ça, Zammaita. Hein? Peut-être qu'on va chanter Zammaita un jour tous ensemble. Alors, comment ça s'appelle cet instrument? C'est pas un piano. Hein? Ça, c'est un instrument à vent. Pour ceux qui ne savent pas, là, comme le saxophone et la clarinette, parce qu'il y a un soufflet. Il y a un soufflet dedans. Ça bouge comme ça. Voilà, exactement, c'est l'accordéon. Bravo Tina, bravo Martha. L'accordéon qu'on joue dans plein de cultures. On le joue en Amérique du Sud, on le joue dans les pays arabes. On joue l'harmonium en Inde qui ressemble à l'accordéon. Alors, il va nous permettre aujourd'hui, l'accordéon, de chanter notre chanson Corona avec les nouvelles paroles. Qui veut chanter avec moi? Corona, 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 Corona. On y va avec une nouvelle parole. Corona, Corona, on apprend à cuisiner. Corona, Corona, tes cheveux toi-même tu vas les couper. Corona, Corona, on fait l'école à la maison. Corona, Corona, et on chante cette chanson. Alors vous allez chanter avec moi, écoutez bien. La 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 la. Thank you.
nouvelle version. Hein? On a complètement changé. Mais, mesdames et messieurs, demain, on va la rejouer, mais on va la rejouer plus vite, là. Demain, on va bien danser. Alors, laissez-moi lire qu'est-ce que vous m'avez écrit. Hein? J'ai hâte de lire ça. L'accordéon! L'accordéon! Qui avait déjà entendu un accordéon? L'accordéon, on le trouve dans la musique traditionnelle québécoise. Et dans plein d'autres sortes de musique, hein? L'accordéon, c'est parfait pour danser. C'est pour ça que j'adore ça. On peut en jouer debout. Hein? Ça donne envie de chanter. Alors, qu'est-ce que je lis ici? Ah, super, merci. On t'aime, Kata. Merci, merci. C'est moi qui vous aime. C'est moi qui vous aime. C'est moi qui est honoré d'être avec vous dans votre salon. Aitana te envía muchos besos. Gracias, gracias, Jorge. Hein? Están en España. Querido Kata Aita, buen día. Un beso muy grande. Merci beaucoup. Hein? Accordéon, bravo, 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 bravo. Super. Hey, j'ai une petite, j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est que, vous savez, je fais de la musique. Je suis un artiste percussionniste qui fait de la musique pour la famille. Il y a aussi mon papa qui a une carrière artistique et journalistique monumentale, pourrions-nous dire. Je ne pense pas qu'il nous écoute en ce moment, donc je peux faire son éloge. Il fait une émission de radio à la prison de Bordeaux depuis 30 ans à Montréal. Il reçoit des artistes, des politiciens, il reçoit des acteurs, des gens de cœur qui viennent rencontrer les prisonniers avec qui il y a un échange philosophique, intellectuel, un échange de cœur aussi. Vraiment, c'est des rencontres magnifiques. Et presque tous les artistes du Québec sont passés par son émission. Il vient de fêter ses 30 ans. Et là, pendant la crise, les 30 ans de l'émission, hein, l'émission Souverain Anonyme. Et pendant la crise, mon papa a voulu ajouter sa contribution, surtout pour que les prisonniers en ce moment qui sont déjà confinés et qui vivent un confinement dans le confinement ne se sentent pas délaissés ou oubliés, hein, parce que ça fait partie de la société, on est un tout et on veut que tout le monde se sente concerné, aimé. C'est comme ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle la réhabilitation. Et moi, ça fait plusieurs années que je l'accompagne musicalement dans cette aventure. Et ce soir, à 8 heures sur les ondes de CIBL, en direct, on va faire une grande émission où il va y avoir plein de témoignages d'artistes et d'intellectuels québécois et autres peut-être. Je ne sais même pas encore exactement c'est quoi le contenu. Mon papa travaille fort en ce moment. Vous pouvez soit ouvrir la radio à CIBL, ça va durer 3 heures, de 8 heures à 11 heures, ou aller sur la page de Mohamed Lotfi, ou bien sur ma propre page que je vais partager ça plus tard. Ça s'appelle « Nous sommes tous en lockdown ». Donc, on s'entend que c'est une thématique très différente de mes lives. Mais ça serait un honneur si vous venez vous joindre à nous. Puis en plus, sur 3 heures, vous pouvez venir faire votre tour. Donc, ça, c'est ce soir. Et j'envoie ici, dans la conversation, ma chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à vous être abonnés à ma chaîne Facebook. Plus de 1000 personnes différentes de plus dans la dernière semaine. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à me suivre. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma page YouTube parce que je mets tout mon contenu là-bas. Et éventuellement, il va y avoir des contenus différents sur Facebook et sur YouTube. Donc, merci, mon lien est là. Vous pouvez me rajouter. Je souhaite un excellent début de Ramadan à tous ceux qui le font. Et comme j'ai déjà dit, à tous ceux qui ne le font pas. Que ce soit un mois d'apaisement, un mois de ressourcement, un mois béni qui nous permette rapidement de sortir de la crise. Et on va finir avec un petit peu de beat. Hein? Qui veut partir en dansant? Qui veut partir en dansant? Moi, je veux partir en dansant!